Boom, 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 boom. Upon the Isle of Patmos, a man was cast one day. As he was left alone to die, he began to pray. The Holy Ghost fell on him, the Spirit became down. When he began to write about Jesus, the Revelator's name was Shock. Talk about Jock. Shock the Revelator, he saw the Revelator. Ton goût? Si, oui. Shock the Revelator, and when he looked around, he saw feet like dust, eyes like fire. C'est ce qu'on fait aujourd'hui? Ah, un rafraîchissement. C'est la première fois que je vous vois au salon? Oui, c'est la première fois que je viens ici. Ok. Quand je suis parti du bureau, c'est le plus proche ici. Vous travaillez où? À l'université. Ah, bon. Un autre. Vous êtes enseignant? Oui, je suis professeur en économie à l'université. L'argent? Oui et non. Qu'est-ce que c'est votre travail de chercheur? On fait de la recherche, on fait de l'analyse. Il y a beaucoup d'économistes qui s'intéressent aux politiques du gouvernement, des différents gouvernements, puis l'effet que ça va avoir sur l'ensemble de l'économie, mais aussi sur les secteurs d'économie, sur les gens les plus pauvres dans la population. Donc, on développe des outils, des modèles qui permettent de faire le lien entre ces réformes-là. Par exemple, les gens en ce moment parlent beaucoup d'augmenter les tarifs d'Hydro-Québec. Oui. Donc, certains disent que ça serait extraordinaire pour l'économie québécoise et d'autres disent que ça sera la catastrophe. On entend toujours ça. Ceux au pouvoir, ils disent que ce serait que leur idée qui est extraordinaire, puis sinon, c'est la catastrophe. L'autre, c'est la catastrophe tout le temps. C'est ça. Donc, nous, on essaie de construire des modèles qui permettent de faire le lien entre ces politiques-là et l'activité économique, mais aussi l'impact sur les pauvres, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, au Québec, qui s'opposent à ces mesures-là en disant que c'est les pauvres qui vont en souffrir le plus. Donc, La privatisation de l'augmentation des tarifs. Oui, oui. Donc, la majorité des opposants s'opposent sur ces bases-là. Donc, le type de recherche qu'on fait nous permet de, par exemple, d'identifier ceux qui vont être le plus affectés, puis même de suggérer des façons de compenser ces gens-là qui seront les perdants dans, okay, dans la réforme. OK, vous proposez des alternatives aussi, c'est suite ça. À votre résultat de recherche. Oui, bien généralement, on va analyser souvent différents scénarios pour voir, dans le cadre d'une réforme économique, quelle est la meilleure façon d'atteindre l'objectif d'une réforme, pas juste économique, mais ça peut être une politique familiale, les mesures d'incitation à retour à l'emploi, donc tout ce type de mesures-là. Et en ce moment, on travaille un peu avec le gouvernement, le ministère des Finances pour voir l'impact des investissements en infrastructure que le gouvernement a annoncé. Puis est-ce que vous travaillez surtout pour le Québec, au Québec? Ou... Je vais travailler beaucoup au Sénégal, au Burkina Faso, au Bénin, au Maroc, au Ghana. Puis vous faisiez quoi, mettons, vous, là-bas, en Afrique, là? Vous alliez à l'université là-bas ou comment vous cherchiez? Qu'est-ce que vous... Non, en fait, quand j'ai... Mon rôle principal là-bas, c'était de financer des chercheurs africains. Mais en parallèle, j'ai fait, avec ma conjointe qui est aussi économiste, et des économistes de l'université au Sénégal, on a fait plusieurs projets, plusieurs études, plusieurs analyses. Et contrairement ici... des analyses de quoi? Des analyses économiques, des analyses... De qu'on situation appelle... économique? Ou... Non, des analyses d'impact de réformes économiques. Donc, ce que je disais tout à l'heure pour le Québec, bien, en Afrique, il y a énormément de réformes parce que, en général, les économies n'allaient pas très bien. Donc, les gouvernements tentent beaucoup de réformes. Donc, on a fait des analyses avec des équipes de chercheurs sénégalais, notamment des privatisations d'entreprises qui produisent l'électricité, l'équivalent de d'Hydro-Québec. Donc, on regardait l'effet de ces réformes-là sur la pauvreté. Donc, est-ce que ça améliorait ou ça détériorait la situation des pauvres? Puis comment vous évaluez ça, si ça améliore ou si ça détériore? Bien, on construit des modèles économiques qui captent, en fait, l'ensemble des interactions dans l'économie. Donc, toutes les transactions qui se passent dans une économie. Okay. Donc, il y a des entreprises qui produisent des biens, il y a des consommateurs qui consomment des biens, il y a le gouvernement qui taxe et qui produit des biens publics.
Et donc, on intègre tout ça dans les modèles et on fait le lien avec les ménages, donc des enquêtes ménages. Comme que vous les interviewez, genre comme recensement au Canada? Ou, ben, comme, mettons, ils feraient, vous recensez ou vous faites des focus group? Comment ça fonctionne? Ben, nous, on ne le fait pas, mais il y a des fonctionnaires comme Statistique Canada, donc les instituts de statistique là-bas, qui font des enquêtes auprès des ménages. Okay. Et on a des informations détaillées sur ces ménages-là. Donc, avec les enquêtes ménages et les modèles plus macroéconomiques, ça nous permet de faire le lien pour savoir si une hausse des tarifs d'électricité va affecter, qui est-ce que ça va affecter, dans quelle mesure ça va les affecter, combien ils vont devoir dépenser de plus. Est-ce que ça vous arrive des fois que vraiment là, ce qui se fait, là, vous constatez, ça a un impact grave, là, vraiment grave. Ça vous est-il déjà arrivé de constater ça? Oui, il y a des il y a certaines c'est aussi clair réformes. Que ça? Oui, il y a certaines réformes qui. Bon, surtout dans les années 90, il y avait beaucoup de privatisation ou de licenciement de fonctionnaires qui se faisaient. Dans certains pays, on a trouvé que de réduire de manière importante soit les salaires ou les. Surtout la taille des fonctionnaires dans les secteurs de la santé et de l'éducation, ça avait un impact négatif sur la croissance à moyen terme et sur la pauvreté. Donc, ces travaux-là ont beaucoup circulé parce que ça contredisait ce que certaines personnes pensaient. Il y a toujours du pour puis du contre, là, quand ouais, même. Oui, ben dans toute réforme, il y a des gagnants et des perdants. C'est ça, donc, sinon, ça ne sert à rien de réformer. Oui. Mais il faut, l'objectif, c'est que la société soit gagnante d'une réforme économique. Puis le type d'outil qu'on construit nous permet d'identifier les gagnants et les perdants et de proposer des solutions pour compenser les perdants dans les réformes économiques qui sont favorables quand elles sont favorables pour l'ensemble de la société. Puis cet outil-là, c'est quoi? C'est-tu un logiciel? Non, c'est ce qu'on appelle les modèles d'équilibre général calculable. Et nous, on... Bien sûr! Donc, ce sont, comme je l'ai dit, des modèles qui captent l'ensemble des transactions dans l'économie. Qu'est-ce que ça apporte vraiment? Vous voyez des résultats positifs? C'est-tu encourageant? Depuis quelques années, les pays comme la Suisse, l'Allemagne, l'Australie, le Canada commencent à utiliser ce type d'outil-là. Et le ministère des Finances à Québec veut mettre en place ce type d'outil d'analyse-là. Ça fait-tu longtemps que ça existe, vraiment, là, de la recherche en économie comme ça, là, propre? Économiste, là? Oui, oui. Ça évolue? Ça évolue beaucoup. Je pense que ce qui a fait évoluer beaucoup ces dernières années, c'est l'informatique. Donc, les ordinateurs ont permis, le type de modèle que moi j'ai développé, le développement est possible essentiellement à cause de la puissance des ordinateurs qui se sont développés. Donc, ça développe plus vite, évalue plus vite, ça regroupe les chiffres plus vite. Ça calcule plus vite. Souvent, je peux donner un exemple, on a des modèles qui ont plus d'un million d'équations mathématiques. Donc, avec les ordinateurs, avant, ça prenait des semaines à trouver des solutions. Maintenant, en l'espace de 2 minutes, on va avoir une solution qui prenait 2 à 3 semaines avant. Les gens aussi dans les ministères deviennent de plus en plus compétents. Les jeunes qu'on envoie, qui sont recrutés dans les ministères, sont probablement mieux formés qu'ils l'étaient il y a 25 ou 30 ans. Donc, ce qui va, je crois, moi, permettre d'avoir des meilleures politiques économiques dans le futur. On va améliorer, je pense, la compréhension des réformes économiques et ça va permettre de faire des meilleurs choix pour le gouvernement dans les années à venir et éviter, des crises économiques comme ce qu'on observe maintenant. Dans le futur, je pense qu'il va y en avoir de moins en moins. Vous êtes un chercheur optimiste? Oui, en général, je suis assez optimiste par rapport au futur. Ben, je vous souhaite une très belle journée. La coupe, ça va? C'est parfait. Oui? Je vous remercie. Bon, merci. Upon the Isle of Patmos, a man was cast one day. As he was left alone to die, he began to pray. The Holy Ghost fell on him, the Spirit he came down. When he began to write about things, he saw the Revelator's name was Jacques the Revelator, he saw Jerusalem coming down. Yes, it was Jacques the Revelator, and when he looked around, he saw feet like brass, eyes like fire, heard a great voice and come up high. He was Jacques the Revelator.
wrote about the city of God.